Donc aujourd'hui, ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Alors Nietzsche, je vous rappelle rapidement ses dates, 1844-1900. Hein, pour situer 1844-1900. Et ainsi parlait Zarathoustra, ou ainsi parla Zarathoustra, c'est peut-être le livre le plus déroutant de Nietzsche, qui lui-même est un philosophe déroutant. Disons, énigmatique et parfois, ou même souvent, dérangeant. Ouais. Donc, Nietzsche, bon, c'est un des philosophes du soupçon, hein, c'est comme ça qu'on le surnomme parfois, avec d'autres, hein, avec Freud, avec Marx, avec Schopenhauer, justement, aussi. Puisque ces philosophes du soupçon, ils vont faire basculer la philosophie des Lumières, hein, ou la philosophie du 18e, dans ce qu'on appelle la philosophie contemporaine, en sapant un certain nombre de valeurs sur lesquelles s'appuyait jusqu'alors la philosophie. D'abord cette philosophie des Lumières, notamment la raison, la liberté, la recherche de la liberté humaine, et cet immense espoir d'émancipation de l'humanité. Hein, vous rappelez peut-être le petit texte de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?» Hein, voilà, il y avait cet espoir que l'humanité pourrait se libérer en pensant par elle-même, en se libérant de la tutelle des philosophes, des religions, des croyances, etc. Bon. L'eau a coulé sous les ponts, et là on est au 19e, hein, charnière 19e, 20e, et il y a ces philosophes qui ne croient plus à cette philosophie des Lumières ou du progrès, et qui vont donc apporter d'autres éléments, et évidemment une critique assez véhémente de leurs prédécesseurs. Notamment les fameux idéalistes allemands, Kant, Fichte, Hegel, qui vont être jugés les idoles dont il faut se défaire. On ne parlait pas encore à l'époque de dégagisme, mais c'est un petit peu cette même idée. Donc ainsi parlait Zarathoustra, et sous-titré, et ça fait couler beaucoup d'encre, il est sous-titré « Un livre pour tous et pour personne ». Un livre pour tous et pour personne. Hein. Donc, on va essayer de comprendre au fil des explications de ce matin pourquoi ça pourrait être un livre pour tous et pour personne. Alors, dans un autre livre de Nietzsche qui s'appelle Ecce Homo, Ecce Homo, voici l'homme, Nietzsche va raconter avec précision la naissance de son livre sur Zarathoustra. Et il écrit ceci, donc c'est, si vous voulez avoir un peu la genèse d'ainsi parler Zarathoustra, il faut lire Ecce Homo. Et dans Ecce Homo, il écrit « On est peut-être en droit de ranger le Zarathoustra tout entier dans la musique. » Dans une autre partie, il écrit « Tout mon Zarathoustra est un dithyrambe à la solitude. » Ou si l'on m'a compris, à la pureté. Un dithyrambe, hein, ça c'était chez les Grecs, les chants, notamment en l'honneur de Dionysos, hein, le dieu du vin, de l'extase, de l'ivresse, hein, le dithyrambe. Et donc, on voit par là, s'il le considère comme un dithyrambe, qu'il renoue un peu avec un de ses premiers livres, Nietzsche, « La naissance de la tragédie ». Avec l'importance du cœur, justement, dans cet état de transe ou d'extase dans lequel le public pouvait être plongé en provoquant cette fameuse catharsis, hein, c'est-à-dire un état modifié, hein, de conscience, qui était quand même le but des pièces de théâtre où les spectateurs étaient supposés sortir différents, hein, que lorsqu'ils y étaient rentrés. Alors, c'est vrai que le Zarathoustra, hein, comme on dit, en résumé, c'est une œuvre à part dans la production de Nietzsche. Hein, c'est une sorte de grand poème philosophique
composée de discours, hein, des exhortations, des réflexions d'un personnage qui est le sage Zarathoustra. C'est un ouvrage qui a été publié entre 1883 et 1885, c'est-à-dire en fait dans la dernière période d'écriture de Nietzsche, la troisième et dernière période de son écriture, hein, qui va de 83 à 87. C'est la période extrêmement prolifique pour Nietzsche, puisqu'il écrit aussi « Par-delà le bien et le mal », « La généalogie de la morale », « La volonté de puissance », c'est-à-dire bon, des ouvrages vraiment importants. Et donc, on peut dire que sa philosophie atteint, dans cette dernière période, son plein épanouissement, hein, et va être aussi basée sur l'idée qu'il y a un âge nouveau à venir. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, hein, assez véhémentes sur la philosophie de Lumière. Il n'en reste pas moins que c'est remplacé par quand même la perspective d'un âge nouveau et d'un homme nouveau. Alors, je vais faire une introduction sur la genèse de l'œuvre et son style. Parce qu'on a aujourd'hui des éléments qui permettent d'en savoir un peu plus sur comment cette œuvre a été écrite grâce à des découvertes assez récentes, et aussi parce que, j'avoue, moi-même j'ai eu du mal à rentrer dans le style d'Ainsi parlait Zarathoustra. Disons que c'est pas le livre à l'époque où, oh génial, lu d'une traite. Il m'a fallu plusieurs essais infructueux pour pouvoir vraiment rentrer dedans, et je me dis que peut-être je ne suis pas seule dans ce cas. Et je trouve que de comprendre un peu mieux comment ça a été écrit et avec quel style, quelle langue, ça permet de faciliter la lecture. Alors, dans Ecce Homo, Nietzsche va raconter la genèse et la naissance d'Ainsi parlait Zarathoustra. Il en a eu, dit-il, en 1881, mais surtout en 1883, la vision soudaine et éclatante. Une vision dont l'intensité et la netteté ne sont pas sans rappeler une expérience aussi un peu mystique qu'a eue Pascal, oui. Qu'il raconte dans son mémorial, hein, qu'il tenait toujours avec lui, hein, dans la doublure de son manteau. Hein. Donc, Nietzsche insiste dans Ecce Homo sur la fulgurance de sa vision et sur la rapidité extraordinaire avec laquelle il a composé cet ouvrage. On entend, on ne cherche pas, on prend, on ne demande pas qui est celui qui donne. Comme un éclair, une pensée jaillit, nécessaire, sans hésitation dans sa forme, je n'ai jamais eu un choix à faire. Voilà. Donc, une écriture tout à fait particulière, hein, dans une fulgurance de l'esprit, avec les mots qui venaient tout seuls. Hein. Donc, l'œuvre lui est venue tout entière en quelques jours, dans un état d'exaltation indescriptible. Alors certaines mauvaises langues vont dire oui, bon, ben voilà, c'était les prémices de la folie. Bon, ok. Moi, je suis toujours pour voir les choses de manière positive. Donc, oui, il y a une sorte de fébrilité, d'exaltation, presque de transe dans laquelle il va écrire cet ouvrage. Et donc, il décrit lui-même, hein, c'est pas moi qui le dis, il décrit lui-même la violente inspiration qu'il a saisie lorsqu'il a composé ce texte. Tout cela se passe involontairement, comme dans une tempête de liberté, d'absolu, de force, de divinité. C'est dans le cas de l'image, de la métaphore, que ce caractère involontaire de l'inspiration est le plus curieux. On ne sait plus du tout ce qui est symbole, parallèle ou comparaison. L'image se présente à vous comme l'expression la plus juste, la plus simple, la plus directe. Il semble vraiment, pour rappeler un mot de Zarathoustra, que les choses mêmes viennent s'offrir à vous comme terme de comparaison. Voilà, donc,
Il ne faut pas du tout le prendre comme quelque chose de travailler, de construire, de raturer. Non, c'est une fulgurance. L'écriture automatique. Oui, enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'écriture automatique. En tout cas, c'est une, dans une fulgurance qui est donnée. Il n'y a pas de rature. Voilà. C'est comme un peu dans les... Hein, dans les calligraphies traditionnelles où il y a une immense période de concentration et puis après c'est le jaillissement et surtout on ne retouche pas puisque ce jaillissement signifie quelque chose. Comment peins-tu ? Alors, oui. De vision en fait. Oui, de vision et les mots. Voilà. Première partie de Zarathoustra a été écrite près de Gênes en 10 jours, en février 1883, et elle paraîtra en juin de la même année à Leipzig, en Allemagne. 5 mois plus tard, ce sera également en une dizaine de jours, fin juin 1883, à Sils Maria, en Suisse, qu'aura lieu la rédaction de la seconde partie, qui paraît en septembre. Donc, il écrit en très peu de temps, j'aimerais bien, en 10 jours. et ensuite, c'est tout de suite... édité. Puis la troisième partie en janvier 1884, donc c'est très rapproché, à Nice, et cette troisième partie paraît la même année en mars. Donc ça paraît par partie, première partie, deuxième partie, troisième partie. Quant à la quatrième partie du livre, qui ne devait pas être la dernière, elle est rédigée plus tard, de janvier à février 85, toujours à Nice. Et là, il y a quelque chose d'amusant, c'est que c'est plus le même éditeur qui publie la quatrième partie, il n'en veut plus parce que ce livre est un échec. Et donc, vous vous rendez compte, le pauvre Nietzsche est obligé de publier la quatrième partie à compte d'auteur, en 40 exemplaires. Et parce que son éditeur ne veut plus l'éditer. Alors, ça donne du courage aussi à ceux qui publient un compte d'auteur en 40 exemplaires, parce qu'en fait, il était donc totalement méconnu à sa parution, et puis, comme par hasard, très vite, il est devenu un ouvrage voilà, complètement recherché, totalement aussi détourné, falsifié, j'y reviendrai, mais qui a eu un immense succès. Et donc, les quatre parties ont été publiées ensemble pour la première fois en 1892. Vous voyez, quand même quelques années plus tard, et donc c'est le cas d'un ouvrage qui est un flop total à sa parution et puis qui devient une célébrité prodigieuse en quelques années avec beaucoup de, voilà, de contresens aussi et beaucoup d'interprétations totalement divergentes. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on sait que Nietzsche marchait beaucoup, il prenait des notes. Tout en marchant, et donc c'est un peu aussi le rythme de la marche à pied qu'on peut aussi retrouver dans l'ouvrage, et il écrivait sur des carnets toutes ces notes qui lui venaient en marchant, et une grande partie de ces carnets a été aujourd'hui retrouvée et éditée par un Italien qui s'appelle Giorgio Colli, qui est un grand philologue helléniste italien, aujourd'hui disparu, qui était contemporain, et qui avait avec Nietzsche le même amour de la philologie et des Grecs, et notamment des pré-socratiques, puisque il ne faut pas oublier que Nietzsche est philologue, et il a une immense vénération pour les pré-socratiques, Héraclite, Parménide, bon. Et pour lui, les choses commencent à se gâter avec Socrate et avec Platon. Donc, on a retrouvé ces carnets, Giorgio Colli les a fait éditer, et ce qui permet d'avoir enfin une édition correcte de tous les écrits posthumes en fait, de Nietzsche. Et là, c'est une source immense de renseignements pour comprendre, notamment ainsi par les Zarathoustra, la genèse de donc, il ne faut pas hésiter à voilà, aller voir ces carnets. Et donc, ce qu'on retire de cela, c'est que cette forme d'ouvrage très particulière du Zarathoustra repose à la fois sur
ce style que je viens d'expliquer, d'exaltation et de transe, dans laquelle il écrit, mais aussi une appropriation du style biblique, et pas n'importe quelle Bible, mais la Bible de Luther. Et vous savez que quand j'ai lu ceci, je me suis dit, ça explique beaucoup de choses. Parce qu'on comprend pourquoi, dans Ainsi par les Zarathoustra, mais aussi dans d'autres ouvrages, Nietzsche n'emploie pas la langue allemande philosophique, enfin au sens strict du terme, c'est-à-dire la langue de Hegel, de Fichte, de Schelling ou de Hegel, mais qu'il utilise une autre langue, un autre style, et qui est à la fois donc cette exaltation, un style exalté, mais aussi emprunt, mais vraiment à très 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 proche du style biblique luthérien, avec ces mêmes répétitions, ces mêmes imprécations, ces mêmes exhortations, ce même langage symbolique aussi. Et il y a des passages entiers qui sont, on dirait aujourd'hui un peu du copier-coller, qui sont le calque de ce qu'on trouve dans la Genèse, dans l'Exode, dans les psaumes, mais aussi dans les évangiles. Hein, vous savez, il y a ce style, parfois un peu lancinant, de répétition. Vous connaissez la Bible un peu? C'est loin. C'est très répétitif, c'est presque lancinant, voilà. C'est très répétitif, hein, les mêmes expressions qui sont... Bon, relisez un peu, ça ne fera pas de mal. Hein. Et c'est franchi. Bon, donc, voilà, c'est paradoxal, la transe dans la Bible, bon. Mais en fait, il y a plus de ressemblance qu'on pourrait penser. Donc, dans Ainsi par les Zarathoustra, ce n'est pas simplement le style qui est biblique et exalté, c'est la forme et aussi le contenu. Et il y a des sortes d'exhortations qui sont effectivement très très proches de ce qu'on trouve dans la Bible par rapport au temps à venir, par rapport à l'Apocalypse, par rapport à l'avènement, hein, à la parousie, à l'avènement d'un âge. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de lire l'ouvrage à cette aune-là. C'est-à-dire, c'est pas simplement de la transe, une exaltation, quelque chose qui est un peu excessif, hein, qui est parfois un peu agaçant, mais c'est aussi ce style qu'il va trouver dans la Bible de Luther, qui va complètement s'approprier et qui va ainsi l'inspirer. Pas simplement pour Ainsi par les Zarathoustra, pour d'autres ouvrages aussi, parce qu'on a souvent mis à part le Zarathoustra, il n'y a pas trop de raisons, mais c'est vrai que dans le Zarathoustra, c'est vraiment le summum, hein, de cette expression. Donc un style enflammé. Alors, de toutes les œuvres de Nietzsche, on dit que c'est le Zarathoustra qui est l'œuvre la plus lue, hein, et ça s'explique par cette passion, par cette véhémence, par cette ferveur avec laquelle il écrit, mais aussi parce qu'on est dans une période vraiment de crise, hein, au niveau des pays d'Europe, et voilà, ça répond d'une certaine manière à un certain nombre d'interrogations, une crise morale profonde, dont peut-être on n'est d'ailleurs pas... sorti, qui revient sous d'autres formes, et c'est pour ça qu'il y a c'est vrai, une vision ou des propositions dans ce livre qui font écho à ce mal-être, hein, de la deuxième partie du 19e, et on sait, disons, ce que le 20e va expérimenter par rapport à cela. Donc, c'est compréhensible que Nietzsche ait été l'objet de nombreuses falsifications. Je vais revenir un petit peu là-dessus quand même, parce que c'est souvent quelque chose qui vient de manière récurrente. Ces falsifications, ces contresens prouvent aussi que la nature même de sa pensée constituait un danger, une menace, pour tous ceux qui étaient dans une pensée plutôt
disons, une morale d'obéissance, Nietzsche va dire de servilité, disons, de non-changement, et surtout soumise à un impératif idéologique. Alors, c'est la raison pour laquelle les pensées totalitaires vont s'emparer de Nietzsche, et tout particulièrement du Zarathoustra. Tout particulièrement de ce livre, ils vont s'acharner à défigurer la pensée de Nietzsche. Et par exemple, bon, on le sait, les nazis vont s'emparer de l'ouvrage et le défigurer, aidés en cela par la propre sœur. On connaît l'histoire, la propre sœur de Nietzsche, qui était sympathisante de l'idéologie nazie et qui va faire quelque chose d'abominable vis-à-vis de son frère, puisque ça va évidemment le poursuivre. Donc, ils vont défigurer, ils vont simplifier, ils vont sortir du contexte certains passages et ils vont leur enlever toute la signification symbolique. Et évidemment, cette exaltation pathétique qu'on trouve dans le livre va leur servir d'excuse ou d'alibi ou de paravent. Donc il y a cette falsification, il y a ce détournement de la pensée de Nietzsche par les nazis, mais aussi par l'autre totalitarisme du XXe siècle, le stalinisme, puisque l'idéologie stalinienne va aussi s'emparer de Nietzsche pour des raisons à peu près inverses. Disons aussi ce rôle de l'individu par rapport au rôle des masses. Donc, pour dire que le pauvre Nietzsche, il a été bien défiguré. Et j'en parle là parce que ça touche particulièrement cette œuvre, on comprendra pourquoi. Donc des auteurs allemands qui vont soutenir Nietzsche, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Thomas Mann, il y a Hermann Hesse, le fameux auteur de Siddhartha, Hermann Hesse, qui vont, eux, toute leur vie, lutter contre le nazisme, contre l'hitlérisme, et qui vont toujours se réclamer expressément de Nietzsche. Donc ça, c'est pour l'Allemagne, mais c'est surtout sur l'évolution de la littérature française, en fait, que l'influence de Nietzsche va être la plus grande. Je ne peux pas tous les citer, mais Gide se définit presque entièrement à partir de la découverte de Nietzsche, et on a Camus, qui va toujours vraiment, pas simplement défendre Nietzsche, mais s'en inspirer. Il va lui reprendre d'ailleurs l'expression « la pensée de midi », ainsi parlait Zarathoustra, fini sur cette image de la pensée de midi, la pensée zénitale, et Camus va reprendre cela. Et Camus, là j'ai repris quelques citations de Camus, parce que je trouve très très belles sur Nietzsche. Parce qu'il était l'esprit libre, Nietzsche savait que la liberté de l'esprit n'est pas un confort, mais une grandeur que l'on veut et que l'on obtient de loin en loin par une lutte épuisante. Dans l'histoire de l'intelligence, exception faite de Marx, l'aventure de Nietzsche n'a pas d'équivalent. Nous n'aurons jamais fini de réparer l'injustice qui lui a été faite. Il écrit aussi « Nietzsche n'a jamais pensé qu'en fonction d'une apocalypse à venir, non pour l'exalter, car il devinait le visage sordide des calculateurs que cette apocalypse finirait par prendre, mais pour l'éviter et la transformer en renaissance. » Donc, c'est vrai que Nietzsche est tout sauf un philosophe rassurant, puisque il sape tout ce qui peut être certitude, dogme, prêt à penser, on dirait. Il refuse tout accommodement, et c'est vrai, dans un style qui n'est pas mièvre. Et c'est peut-être pour ça que le livre est pour tous et pour personne. Parce que Nietzsche disait lui-même, au sujet du Zarathoustra, « Hélas, mon Zarathoustra cherche encore son auditoire et le cherchera longtemps. » Autant quand il était méconnu qu'il n'était pas lu, ou 40 exemplaires, c'est pas quand même beaucoup, même moi je fais mieux. Donc,
pas d'auditoire, mais après, il faut toujours se méfier quand ça marche trop bien. Parce qu'il n'y a pas forcément d'auditoire non plus qui cherche vraiment à le comprendre sans chercher à l'utiliser. Voilà. Ça, c'est une vraie leçon. Donc, voilà, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé son auditoire. Peut-être c'est vous. Hein? Qui sait? L'auditoire que Nietzsche cherchait. Alors, Zarathoustra, so sprach Zarathoustra, l'intérêt c'est que c'est Zarathoustra, c'est le mot en allemand, hein, qui a été gardé dans la traduction. C'est le nom, un nom très 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 ancien que l'on trouve dans le livre sacré des Zoroastriens, hein, puisque la traduction en français c'est Zoroastre. Des Zoroastriens, le fameux Zend Avesta, qui est le livre, la Bible, le livre sacré hein, des Perses, écrit dans une langue, la langue iranienne, très très ancienne, hein, le Zend Avesta. Zend, Z-E-N-D, E-N-D, Zend Avesta. A-V-E-S-T-A. C'est la Bible du peuple perse, en fait, hein, le peuple sumérien, Mésopotamie, etc. Et donc, c'est un prophète, c'est un fondateur d'une philosophie et aussi d'un courant religieux qui va beaucoup se développer en Perse. Et le terme donc de Zarathoustra, hein, c'est le nom allemand de Zoroastre qui a été gardé dans la traduction. Nietzsche l'a choisi parce que c'est un personnage quand même sur lequel on ne sait pas grand-chose, hein, qui est assez mystérieux. Et il est, d'après Nietzsche, le premier à enseigner la doctrine morale des deux principes du bien et du mal. Puisqu'on dit que c'est dans cette source zoroastrienne qu'il va y avoir ensuite le fameux prophète Mani, qui va s'en inspirer pour expliquer la création du monde, mais aussi le fonctionnement du monde comme une guerre entre le blanc et le noir, entre le bien et le mal, hein, ce qui va donner le manichéisme. Une pensée manichéenne qui pense toujours par opposition. Hein. Donc la source, Mani, serait dans ce fameux prophète hein, de Zoroastre, et il aurait donc enseigné cette doctrine des deux principes du bien et mal, que tout est une sorte de dialectique entre le bien et le mal. Et symboliquement, donc le retour de Zarathoustra lui permet, et c'est comme ça que l'entend Nietzsche, de dépasser sa propre doctrine. Puisque là, Zarathoustra, il est contemporain, il revient, donc 2000, 3000 ans après, et il revient pour corriger un petit peu, d'après Nietzsche, hein, c'est la mise en scène de Nietzsche, pour corriger ce qu'il a pu expliquer et qui était trop dogmatique. Hein, donc il le fait revenir, et c'est Nietzsche qui explique lui-même, hein, c'est l'intérêt hein, d'aller chercher un peu tous ces carnets et tout ça, parce que là on a vraiment le... C'est pas une interprétation, enfin, disons c'est la source. On ne m'a pas demandé, mais on aurait dû me demander, ce que signifie dans ma bouche, dans la bouche du premier immoraliste, le nom de Zarathoustra. Car c'est juste le contraire qui fait le caractère unique de ce Perse dans l'histoire. Zarathoustra, le premier, a vu dans la lutte du bien et du mal la vraie roue motrice du cours des choses. Pourquoi j'ai pris Zarathoustra? A priori, on ne l'a pas beaucoup demandé, ce qui est quand même une question basique. Hein. Parce qu'il a vu dans la lutte du bien et du mal la vraie roue motrice du cours des choses. La transposition en métaphysique de la morale comme, conçue comme force, cause, fin en soi, telle est son œuvre. Mais cette question pourrait au fond être considérée déjà comme une réponse. Zarathoustra créa cette fatale erreur qu'est la morale. Voilà, ce qu'il reproche à Zarathoustra, c'est de,
d'avoir bâti, pas simplement une métaphysique, mais aussi une morale sur ce principe du bien et du mal, et que ceci est devenu dogmatique. Hein, faut faire le bien, t'es le mal, etc. Et donc, pour lui, comme il le dit lui-même, par conséquent, il doit aussi être le premier à reconnaître son erreur. Donc, c'est une mise en scène où il fait revenir Zarathoustra à notre époque, enfin à l'époque de Nietzsche, pour amender et pour proposer une autre morale, une autre façon de voir les choses, qui soit en fait un dépassement de cette vision du bien et du mal qui est devenue terriblement enfermante, hein, et source de beaucoup de soumission et de servilité de la part des humains. Donc, c'est le retour. En fait, c'est ainsi par les Zarathoustra, c'est le retour de Zarathoustra, et d'après Nietzsche, il doit être le premier à reconnaître son erreur. C'est-à-dire, et c'est comme ça que commence l'ouvrage, c'est-à-dire qu'un jour, Zarathoustra, qui est parti pendant quelques années, donc là en fait c'est presque quelques millénaires, hein, dans la forêt, revient avec une nouvelle sagesse et qu'il a envie de partager aux hommes. Évidemment, cette nouvelle sagesse, c'est la vision de Nietzsche. C'est-à-dire qu'il fait parler Zarathoustra, et s'il prend Zarathoustra, c'est pas un hasard, c'est bien parce qu'il est effectivement ce symbole de la lutte du bien et du mal. Et ça, c'est quelque chose que Nietzsche veut absolument, absolument dépasser, pour que l'humanité à venir sorte de ce carcan manichéen. Vous voyez ? Donc ça, c'est déjà cette idée qui a une pensée à dépasser. Et Kant est enterré. Oui. Parce que dans le processus de dynamique ou dialectique de l'histoire, c'est toujours un dépassement vers quelque chose d'inconnu. C'est ce qu'on verra avec l'éternel retour, qui est une notion assez paradoxale aussi. Donc, le Zarathoustra, c'est à la fois un grand poème, en fait, on peut aussi le voir comme un grand poème, un poème philosophique, mais c'est surtout une œuvre de réflexion sur l'avenir de l'humanité. Quelle promesse, hein, pour le futur de l'homme. Et donc, il nous montre ce Zarathoustra partir dans la montagne, partir dans la forêt. Entre chaque partie, Zarathoustra repart, hein, comme s'il avait besoin de solitude et de re-réfléchir, et de nouveau il revient par amour pour l'humanité, pour délivrer un message d'espoir, hein, dans une période qui commence à être assez sombre, un message d'espoir pour le futur. Il a envie de partager sa sagesse avec peut-être pas un grand nombre d'hommes, mais au moins quelques compagnons, hein, quelques disciples, quelques compagnons avec lesquels il se sentirait, disons, en phase. Donc, c'est des discours, c'est des poèmes, c'est des paraboles, c'est des chants, c'est des poésies, tout ça c'est ce qui est constitué ainsi par les Zarathoustra. Et même si on a l'impression de quelque chose d'assez désordonné, hein, en fait, il y a une réelle progression dans l'œuvre. Hein, c'est ce qui permet aussi, enfin, ce que permettent ces carnets de comprendre, c'est qu'il y a vraiment une progression. D'abord, il commence par annoncer aux hommes la mort de Dieu. Ce n'est pas là où il dit la fameuse phrase « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Hein. C'est dans le Gai Savoir, mais là, il reprend le concept, hein, de la mort de Dieu, qui est une condition préalable à l'enseignement sur ce fameux concept qui a été tant jugé à interprétation, qui est le concept d'Übermensch, c'est-à-dire le surhumain, Übermensch. Et là, c'est vrai que pour cet ouvrage tout particulièrement, moi j'aime bien la traduction de Goldschmidt,
traduction de George Arthur Goldschmidt, parce qu'il traduit Übermensch par surhumain et pas surhomme. Über, c'est au-dessus. Mensch, c'est l'homme. Mais il y a un côté, disons, neutre dans le Mensch, que si on traduit par homme, va donner un côté biologique, physique, viril, hein, que probablement n'était pas dans la pensée de Nietzsche. Hein. Donc moi, j'aime bien cette traduction où il n'y a pas surhomme, mais surhumain. Et je trouve que là, ça change quand même beaucoup. Hein. Mensch, c'est les gens, en fait, dit Mensch. C'est les gens. Oui, c'est les gens, c'est l'humanité, voilà, c'est-à-dire, et c'est un état. C'est-à-dire, c'est pas Übermensch, ça fera pas quelqu'un voilà, une personne, un homme qui va développer son pouvoir, sa domination sur l'autre, son pouvoir extrême. Mm-hmm. Mais c'est un état qui est l'état à venir de l'humanité. Et qui est un état de dépassement de l'état actuel. Là, c'est pour ça que bien cette notion de surhumain, parce que justement, et c'est aussi exprès que on a utilisé ce terme de surhomme pour voir le monde un peu comme justement de manière manichéenne entre les surhommes. Hein, ce qui et ça, bon, je ne fais pas un dessin sur les catastrophes et l'épouvante que ça crée. Donc, surhumain, c'est-à-dire le terme surhumain, et ça c'est Goldschmidt qui l'explique très très bien, désigne davantage une étape future hein, vers laquelle l'homme doit par sa volonté et son effort se porter lui-même. Hein, voilà, il y a une dialectique, ce qui fait que l'homme n'est pas achevé, enfin, l'évolution de l'homme n'est pas achevée, il y a un état à venir qui est un dépassement de l'état actuel. Et entre autres, justement, de dépasser hein, cette opposition bien-mal, cette morale, un petit peu ce que Bergson va reprendre, les deux sources de la morale, c'est-à-dire la morale mortifère, comme va dire Nietzsche, parce que bon, lui, il ne va pas de main morte. Il dit voilà, il y a la morale mortifère pour les faibles, voilà. Pour ceux qui finalement acceptent d'être soumis, hein, d'être serviles, et puis il y a une autre morale pour ceux qui sont d'accord pour faire cet effort et mettre cette volonté vers la puissance. Une puissance qui n'est pas une puissance de domination physique, mais qui est une puissance intérieure, voire spirituelle, divine, hein, de dionysiaque, oui. Hein, le fameux Dionysos. Hein. Et c'est vrai que là, c'est vraiment, pour Nietzsche, une renaissance. Ce serait une renaissance de l'humanité. C'est pour ça qu'il aime tant Dionysos. Le deux fois né, hein, celui qui est mort et qui a pu renaître de ses cendres. Donc le surhumain n'est pas une fatalité future, une sorte de finalité non plus vers laquelle certains élus hein, seraient appelés, mais c'est le surpassement, le dépassement continuel vers lequel tout homme peut aller, évidemment, et peut renaître. Alors ça c'est ce qu'on va trouver dans le prologue, parce qu'il y a presque tout dans le prologue et le premier livre, hein. Il plante vraiment de toutes les graines. Ensuite, le deuxième livre va développer, là aussi, un autre concept qui, à mon avis, a été mal... Enfin, à mon avis, il y a plein d'autres. Mal compris, c'est la notion de volonté de puissance, qui est aussi le titre hein, d'un ouvrage. Alors, là, on n'a pas notre germaniste en chef, mais si elle était là, elle dirait... volonté de puissance, c'est un terme allemand qui est Wille zur Macht. Macht, c'est la puissance, hein, le pouvoir. Bon. Wille zur Macht. Et là, c'est pareil. C'est pas la volonté de puissance qui pourrait être
quelque chose d'un peu statique, hein, une volonté de domination. C'est la volonté vers la puissance, tsur. Ça indique un cheminement, une dynamique. Donc, vire tsur mart, c'est la volonté, l'effort, oui, une volonté vers, pour acquérir un pouvoir que je n'ai pas actuellement. Donc, quelque chose de potentiel à développer. Et là aussi, ça change. De traduire volonté de puissance, bon, ce qui a été traduit ainsi et utilisé ainsi, hein, ou volonté vers la puissance, c'est-à-dire vers un état à venir. Donc ça, c'est ce qu'il développe dans le deuxième livre, c'est le moteur du dépassement de soi qui conduit au surhumain. C'est pour ça qu'il plante la notion de surhumain. Ensuite, bon, bah, comment arriver à ce surhumain ? Par cette volonté de développer la puissance. Et ce que j'aime bien dans Goldschmidt, c'est qu'il dit, ça peut paraître totalement paradoxal, mais on peut rapprocher ceci de Spinoza. Et c'est vrai que la comparaison est osée, parce que il n'y a pas beaucoup qui la font. Mais c'est vrai que dans le conatus de Spinoza, le fait de persévérer dans l'être, hein, de persévérer dans l'être, c'est-à-dire dans ce qui fait la puissance de l'être, on a quelque chose d'assez proche. Alors évidemment, Spinoza, il semble beaucoup plus tranquille, posé, hein, avec ses lunettes, ses verres d'optimé, et Nietzsche le fou, mais c'est très proche, en fait. C'est vrai que c'est beaucoup plus proche qu'on pourrait l'imaginer. Donc c'est cette volonté vers la puissance. Et ensuite le troisième livre, où il va y avoir un autre concept qui va être développé, qui là aussi n'est pas toujours bien compris, c'est le concept d'éternel retour par rapport au temps. Hein, la dialectique du temps, là c'est aussi un autre grand concept de Nietzsche, l'éternel retour, mais là aussi qui est traité de manière très, très nouvelle, dans le sens où il ne s'agit pas simplement de dire que les choses reviennent toujours à l'identique, et ce qui peut être assez écrasant, mais un éternel retour dans le sens d'avoir toujours à réinventer les choses. Jamais un retour à l'identique, mais un retour dans le sens, oui, où il n'y a pas forcément à faire table rase, mais où il y a de la créativité, de l'inventivité, de l'imagination à appliquer pour justement pas refaire un monde toujours identique. Donc là aussi, vous voyez que tout ce qu'il amène comme idée va être compris dans des sens assez diamétralement opposés. Et souvent, oui, très très réducteur et dogmatique, alors que la pensée de Nietzsche est tout sauf un dogme. Justement, c'est une pensée en mouvement, en devenir, en construction. Elle aussi, elle se dépasse. Et la quatrième partie, qu'il n'avait pas envisagée comme la dernière, hein, mais c'est une rencontre avec ce qu'il va appeler des hommes supérieurs, mais il faut là aussi se méfier du terme, puisque ce sont tous les hommes un peu serviles, hein, qui sont déçus par leur idéal, que ce soit leur idéal divin ou artistique ou littéraire, et qui vont faire le nid ou le lit de ce que Nietzsche appelle le nihilisme. C'est-à-dire tous les êtres un peu découragés, hein, qui sont écrasés, qui se sentent écrasés ou soumis, et qui vont développer cette pensée nihiliste contre laquelle Nietzsche vraiment combat. C'est-à-dire pour lui, la vie, c'est pas... C'est pas du néant, c'est pas du rien, c'est l'amour fatigue, c'est l'amour de la vie, l'amour du destin, le oui à la vie. Oui, c'est vraiment anti-nihiliste, et il va prendre évidemment à partie tous ces nihilistes, disent voilà, vous êtes un poids, quoi, vous êtes pas simplement pour vous-même, mais pour l'humanité, parce qu'il faut
du nouveau, ce qui va très très bien exprimer dans la, au tout début du premier livre, dans le petit chapitre sur les trois métamorphoses. Donc, ces nihilistes sont pour Nietzsche le dernier obstacle à l'affirmation de la vie, à l'affirmation de l'amour hein, pour la vie. Et c'est le début d'une nouvelle transfiguration. Et c'est vrai que les dernières lignes sont vraiment très enflammées vers la perspective de cette pensée de midi que reprendra Camus. La pensée de midi, bon ben midi, c'est une pensée zénitale. C'est le soleil est au zénith, donc au plus haut, c'est le maximum de lumière, c'est le maximum de chaleur, c'est le maximum de vie. Donc c'est tout sauf mortifère, la vision de Nietzsche. Mais vraiment tout sauf mortifère. Ça va ? Oui. Alors. Bon, ça. Alors, le prologue, reprenons au début. Le prologue constitue en fait l'ouverture du premier livre. Et c'est vrai que si vous voulez déjà avoir une idée. Non, pas que le prologue, on peut quand même aller un tout petit peu plus loin. Le prologue, le début du premier livre est vraiment. Le premier livre, déjà. Voilà. Parce que là, il y a vraiment, tout en germe. Hein, et si vous êtes courageux, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que, franchement, moi, c'est rare, hein, les ouvrages où, une fois, deux fois, trois fois, ça m'est arrivé aussi avec Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Mon Dieu, que ça a été dur! Et alors, évidemment, je me faisais traiter tous les noms. Comment ? Oh, t'aimes pas le Seigneur des Anneaux, Tolkien ? J'ai eu du mal. Bon. Et c'est comme avec le... D'ailleurs, je pense au Petit Prince, où j'ai découvert que beaucoup de personnes adorent Saint-Exupéry, adorent les romans, hein, mais ont du mal avec le Petit Prince. Et c'est pour ça qu'il y a parfois nécessité... d'avoir une explication sur la richesse, parce que c'est extraordinaire, la richesse symbolique aussi qu'on trouve dans l'ouvrage, parce que franchement, on peut passer à côté. On peut passer à côté. Et pour le Zarathoustra, c'est aussi peut-être le cas. Donc, Zarathoustra s'est retiré dans la montagne pendant de nombreuses années, et il revient parmi les hommes avec vraiment... l'envie de partager quelque chose avec les hommes, de partager son amour, sa sagesse avec les hommes. Alors qu'il traverse la forêt, Zarathoustra rencontre un vieil ermite avec lequel il discute. Et lorsqu'il se rend compte que cet ermite, qui est un vieillard, hein, a consacré sa vie à Dieu, Zarathoustra préfère s'en aller de crainte de le priver du sens de son existence en lui révélant que Dieu est mort. Donc dès le début, il y a cette vision de celui qui a consacré sa vie à Dieu, et Zarathoustra n'ose pas lui annoncer ce qui pour lui est quand même une évidence, c'est que Dieu est mort. Et donc cette thématique de la mort de Dieu ouvre le voyage de Zarathoustra parmi les hommes, et marque le point de départ de la pensée de Nietzsche, c'est-à-dire, qui va donc divulguer par l'intermédiaire de Zarathoustra, c'est-à-dire que Dieu ne peut plus être la finalité de la volonté humaine. Alors, Dieu, dans le sens du Dieu des monothéismes, du Dieu... juif, du dieu chrétien, du dieu musulman, de l'islam, c'est un dieu lointain, transcendant, et qui en même temps revêt souvent un visage ou une figure un peu anthropomorphique. Paradoxe. Donc c'est de cela
dont Nietzsche veut se débarrasser. Quand il dit Dieu est mort, c'est cette figure-là de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas irrigué, lui, et son Zarathoustra aussi, d'une énergie divine. Mais ce n'est pas du même Dieu dont on parle. Lui, son Dieu, c'est Dionysos. C'est-à-dire l'ivresse, l'exaltation, mais aussi la transgression. Hein, Dionysos, chez les Grecs, ce n'était pas le dieu de la cité. Il était hors de la cité. Il était dans les forêts, il était dans la nature sauvage. Parce que la cité avait du mal. Si on l'acceptait dans les moments de carnaval, de fête. Hein, mais sinon, c'était plutôt Apollon qui régnait en maître. Hein. Donc la dualité Apollon-Dionysos, Nietzsche vraiment l'exprime très bien. Donc lui, son dieu, c'est celui de la transgression. Il l'exprime vraiment à merveille. Hein. Donc le dieu auquel on s'est habitué ne peut plus être la finalité de la volonté humaine. Il faut que l'homme se fixe un but immanent. Voyez, un but immanent, non plus transcendant, mais immanent, qui passe par son propre dépassement. C'est-à-dire que l'homme doit pouvoir atteindre par lui-même, et pour lui-même, la condition divine. Par une sorte de dialectique et de dépassement. C'est ça le surhumain. De dépasser la condition humaine telle qu'elle est pour toucher un peu plus la condition supérieure, céleste, divine. Et donc, c'est ça qu'il va expliquer dans le prologue. Et il va donc exprimer ça, il va y avoir une sorte d'imprécation autour d'une foule qui se masse autour de lui. Et la foule se moque de lui, puis elle l'acclame sans comprendre le sens profond de son message. Et donc, deux, trois passages. Pour... C'est dans le prologue. Donc là, c'est la rencontre avec l'ermite. Voilà. Lorsque Zarathoustra arriva à la ville voisine, située au bord des forêts, il y trouva un grand rassemblement de gens sur la place du marché, car il avait été proclamé que l'on verrait un danseur de cordes. Bon, donc les gens ne se réunissent pas pour lui, mais pour voir l'acrobate. Et Zarathoustra parla ainsi au peuple. « Je vous enseigne le surhumain. » Bon, vous imaginez, les gens sont venus voir du cirque et ils tombent sur cette Olibrius qui est « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ?» Alors, c'est là où ça commence à... C'est vrai que là, on voit bien le style. Hein, aussi évangélique, bon, ben voilà, j'enseigne. Et vous ? Vous avez fait quoi ? Alors, c'est là où on commence à être un peu mal à l'aise. Hein. Tous les êtres jusqu'ici ont créé quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Et vous voulez être le reflux de cette grande marée et vous préférez retourner à l'animal plutôt que de surmonter l'homme. Vous voyez ? C'est très concis, hein, mais c'est très puissant. L'humain est un état intermédiaire entre l'animal et le lien, d'où l'image aussi du funambule. Hein? C'est pas par hasard. Qu'est-ce que le singe pour l'homme ? Un objet de risée ou une honte douloureuse. Et c'est exactement cela que l'homme doit être pour le surhumain. Un objet de risée ou une honte douloureuse. Vous avez fait le chemin du ver de terre à l'homme. Et bien des choses en vous sont encore vers. V-E-R. Ver de terre, qui rampe. Jadis, vous étiez des singes, et aujourd'hui encore, l'homme est plus singe que n'importe quel singe. Mais même le plus singe d'entre vous, celui-là, n'est qu'un assemblage disparate et divisé de la plante et du fantôme. Mais est-ce que je vous dis de devenir des plantes ou des fantômes ? Voyez, je vous enseigne le surhumain.
Le surhumain est le sens de la terre, que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Voilà, ça c'est le style qu'il y a dans tout le livre. Des exhortations, des imprécations, et en même temps, disons, il y a urgence. Hein? C'est ça, c'est, on peut le dire comme ça, mais dans le bon sens du terme. Christos, c'est aussi que votre volonté, derrière ça, dise que le surhumain soit le centre de la terre. Bon, alors, voilà, et un peu plus loin. Zarathoustra regarda la foule et s'étonna, puis il parla ainsi. L'homme est une corde tendue entre l'animal et les surhumains, une corde par-dessus un abîme. C'est une très belle image. Hein? L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain. Un franchissement dangereux, un chemin dangereux, un regard en arrière dangereux, un frisson et un arrêt dangereux. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. Donc, que des images dynamiques. Déclin, transition, pont. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Mais c'est là où tu as mis un post-it. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. Alors, un déclin, dans quel sens est-il un déclin? Dans quel sens est-il une transition? J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, et qui peut aussi périr d'une chose insignifiante. Ainsi, il franchit volontiers le pont. J'aime celui dont l'âme déborde, de sorte qu'il s'oublie lui-même et que toute chose soit en lui, toute chose ainsi devienne son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit, sa tête ainsi ne sert que d'entraille à son cœur, mais son cœur le mène à son déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes tombant une à une du nuage sombre suspendu au-dessus des humains. Ils annoncent la venue de la foudre et périssent, annonciateurs. Voyez, je suis un annonciateur de la foudre et une lourde goutte est tombée du nuage. Cette foudre a pour nom le surhumain. Vous voyez, donc quand vous voulez avoir des définitions de ce que c'est que le surhumain, voilà, il y en a plein dans ce prologue. Bon, ces répétitions, hein, c'est j'aime, voilà, c'est vraiment en référence au style d'exhortation. Alors, on n'en est qu'au tout début du prologue. Peut-être qu'on fera que le prologue. C'est pas un problème. Voilà. Et la fin du prologue, ainsi commença le déclin de Zarathoustra. C'est-à-dire, c'est comme le soleil. Hein, il est à son zénith et puis ensuite il va décliner. Et en déclinant, il féconde la terre. Le déclin, c'est le retour de Zarathoustra parmi les hommes. C'est la sagesse qui va s'incarner. C'est son enseignement qui va pouvoir pénétrer la terre. Parce que s'il reste au zénith, il ne pourra pas féconder la terre et porter ses fruits. Hein, le déclin, ce n'est pas pris de manière péjorative, hein, négative. C'est naturel. C'est naturel que le soleil se lève au zénith et décline. Parce que s'il ne décline pas, il n'y a pas de lendemain. Alors, dans la citation précédente, le déclin avait une autre signification. Une autre, mais mais proche aussi. C'est une dynamique. Il faut bien voir toujours. C'est pour ça qu'il y a cet éternel retour, mais qui est un retour toujours pour quelque chose de nouveau, de différent. Ça se lève, c'est à l'apogée, et ça décline. C'est naturel. Et après le déclin, il y a une renaissance. Donc l'homme est un pont, c'est une transition et un déclin. C'est pas un déclin dans le sens définitif du terme. C'est un passage obligé. C'est un passage. C'est pas une chute. C'est pas une chute. Et le dernier homme, si je me souviens bien, c'est pas un dernier homme. C'est quand même. Non, c'est le premier homme. Non, le
Oui, le dernier homme, c'est ceux qui ont essayé de faire des choses importantes, qui sont déçus et qui sont désabusés. C'est les fameux hommes, les fameux hommes supérieurs qui l'attaquent à la fin. Mais je ne sais pas s'il y a cette expression de dernier homme. Oui, oui. Dans le deuxième livre. Oh là là, on a des spécialistes. Bon. Je suis pas l'autre du deuxième. Moi, je suis passée du prologue au quatrième. Non, non. D'accord, bon. On va chercher Yves. Enfin, on va chercher. Tu vas chercher, hein, après. Dans le deuxième livre. Je le trouve, vous avez souligné quelque part. Bon, on fait une petite pause. On continue, hein? On va au-delà des trois premières pages. Alors, pour finir avec le prologue, donc, exhortation, hein, des hommes à aller vers le surhumain. L'homme, dit-il, est quelque chose qui doit être dépassé. Et s'il ne fait pas maintenant l'effort nécessaire, il se fixera sous la forme du dernier homme, un être définitivement petit dans son confort douillet. Ah, t'as pas fait. T'avais pas été trop loin. C'est nous. Voilà. Donc, pas de règlement de compte. Hein, là. S'il ne fait pas maintenant l'effort nécessaire, il se fixera sous la forme du dernier homme, un être définitivement petit dans son confort douillet. Le surhumain se distingue par une totale liberté à l'égard des valeurs traditionnelles. Il aspire à la force, à la vitalité, à la puissance. À lui s'opposent les hommes du troupeau. Ça, c'est une image qu'on a évidemment beaucoup reprochée, qui se plie encore à la dictature d'un dieu inventé et prône une morale de la faiblesse et du ressentiment. La notion, bon là on ne peut pas développer, mais la notion de ressentiment est quelque chose de très fort, hein, chez Nietzsche. Aller au-delà du ressentiment, cette espèce de poison, hein, qui mine l'intérieur. Alors, nous passons le prologue et nous abordons la première partie. Et cette première partie, elle commence par une phase de prédication. Et c'est là où nous trouvons la fameuse parabole, célèbre parabole des trois métamorphoses. Alors, c'est un passage hyper, hyper connu du livre. Mmh. Alors, je vais vous le lire. Ça fait deux pages et demie, mais ça vaut le coup, je pense. Parce que là, on a vraiment aussi le cœur de la pensée de Nietzsche. Des trois métamorphoses. Je vous énonce trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se mue en chameau, le chameau en lion, et le lion enfin en enfant. Il y a beaucoup de pesants fardeaux pour l'esprit robuste, aimant à porter de lourdes charges et que le respect habite. C'est un pesant fardeau qu'aspire sa force, au fardeau le plus lourd. Qu'est-ce qui est lourd, demande l'esprit habitué aux lourdes charges. Et le voici qui s'agenouille, pareil au chameau, il veut qu'on le charge bien. Qu'est-ce qui est le plus lourd, ô héros, interroge l'esprit habitué aux charges pesantes. Que je m'en charge moi et que je me réjouisse de ma force. N'est-ce pas cela, s'abaisser pour faire souffrir son orgueil? N'est-ce pas cela, faire éclater sa folie pour se moquer de sa sagesse? Ou bien est-ce cela, abandonner notre cause quand elle fête sa victoire,
monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur. Ou bien cela, se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance et avoir faim dans son âme de l'amour de la vérité. Ou bien cela, être malade, renvoyer les consolateurs et se lier d'amitié avec des sourds qui jamais n'entendent ce que tu veux. Ou bien cela, descendre dans de l'eau sale quand c'est l'eau de la vérité et ne pas écarter de soi les grenouilles froides et les crapauds fiévreux. Ou bien cela, aimer ceux qui nous méprisent et tendre la main aux fantômes quand ils viennent nous effrayer. C'est de tout ceci, de tout ce qu'il y a de plus pesant dont se charge l'esprit qui aime à porter les fardeaux. Tout pareil au chameau qui, une fois chargé, se hâte vers le désert. Lui aussi se hâte vers son désert. Le chameau. En quelle part sommes-nous des chameaux ? Des lourdes charges. Mais dans le désert le plus reculé se fait la seconde métamorphose. L'esprit ici se change en lion. Il veut conquérir sa liberté et être le maître dans son propre désert. Son dernier maître, il le cherche ici. Il veut devenir son ennemi et l'ennemi de son dernier dieu. Il veut se battre pour la victoire contre le grand dragon. Quel est ce grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni maître ni dieu ? Tu dois. Tel est le nom du grand dragon. Mais l'esprit du lion, lui, dit « Je veux ». Tu dois l'attend au bord du chemin, couvert d'écailles dorées, miroitantes, et sur chaque écaille étincelle en lettres d'or, tu dois. Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Toute valeur de toute chose, elle brille sur moi. Toute valeur a déjà été créée, toute valeur créée, c'est moi. En vérité, il n'y a, doit plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit ? L'animal de bas ne suffit-il donc pas, lui qui renonce et qui est plein de respect ? Créer des valeurs nouvelles, le lion lui-même n'en est pas encore capable. Mais conquérir la liberté pour des créations nouvelles, voilà ce que peut la puissance du lion. Créer sa liberté et opposer même au devoir le nom sacré, le nom N-O-N. À cette fin, mes frères, il est besoin du lion. Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la conquête la plus terrible pour un esprit accoutumé au fardeau et au respect. À la vérité, cela lui paraît être de la rapine et l'affaire de bête de proie. Il aimait jadis comme son bien le plus sacré le « tu dois ». Or, le voilà obligé de trouver illusion et arbitraire jusqu'au cœur de ce qu'il y a de plus sacré afin d'arracher sa liberté à son amour. C'est le lion qu'il faut pour un tel rapt. Mais dites, mes frères, de quoi l'enfant est donc capable dont ne le fut pas le lion ? Pourquoi faut-il donc que le lion féroce devienne un enfant ? L'enfant est innocence, et oublie. Un recommencement, un jeu, une roue roulant d'elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Oui pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d'un oui sacré. C'est sa volonté que l'esprit veut à présent, c'est son propre monde que veut remporter celui qui est perdu au monde. Je vous ai dit trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, le chameau, lion, et le lion, enfin, enfant. Ainsi parlait Zarathoustra, et en ce temps, il séjournait dans une ville appelée la vache multicolore. Beaucoup de chapitres, hein. Ainsi parlait Zarathoustra, ainsi parlait Zarathoustra, une répétition. Hein. Voilà la fameuse parabole, c'est vraiment une parabole biblique, hein, de l'esprit qui se transforme en chameau, qui représente le tu dois, tu dois, tu dois, qui se transforme ensuite en lion,
je veux, mais qui n'est pas encore capable de créer une nouvelle valeur, et l'enfant. L'enfant qui joue. Et là, on retrouve une image vraiment très très ancienne que Nietzsche a récupérée de la Grèce archaïque, qui est le bébé Dionysos, les jouets de Dionysos, l'enfant qui joue, l'enfant joueur, donc l'enfant, l'innocence, la pureté, la nouveauté, la créativité, et qui joue, et ce Dionysos, enfant, il jouait avec des volumes, enfin des trucs géométriques, mais des... Comment on appelle ça ? Des volumes que Platon reprendra avec les solides platoniciens, avec le cube, avec l'octaèdre, avec le dodécaèdre. C'est un enfant qui joue avec des objets en fait mathématiques, géométriques, qui façonnent le monde, les archétypes en fait. Bébé Dionysos, le petit enfant qui joue avec des jouets un peu particuliers, avec un miroir aussi, avec un cône, etc. Et donc Nietzsche va reprendre cette idée qu'on peut-être il a prise aussi chez Héraclite, parce que Nietzsche, comme je disais, a adoré les présocratiques, et donc le fameux Héraclite, et dans un des fragments d'Héraclite, il y a cette idée de l'enfant qui est le roi, qui est porteur de la royauté et qui joue, l'enfant joueur. Donc ça, c'est vraiment une image très très puissante de vous voyez, ce vers quoi l'esprit peut se métamorphoser enfin, l'enfant. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, c'est... Enfin, je pense que ça parle l'intérêt du langage symbolique et parabolique, hein. C'est que ça parle à chacun. Le chameau, la bête de somme qui porte, transporte, c'est celui aussi qui porte toutes ces valeurs morales, hein, et qui tu dois, et donc qui enferme, hein, qui comme un carcan, hein, pour l'homme. Et c'est ça aussi qui va nourrir pour Nietzsche toute cette valeur de ce sentiment de ressentiment, de soumission et de révolte, hein, à un moment donné, par ressentiment. C'est atemporel, hein. Le chameau. Oui, c'est un oui, mais de pure obéissance au devoir moral ou civil. Hein, à cette injonction, tu dois. Et donc, là, on voit bien qu'il est en bordure du désert, hein, c'est un animal du désert, qui survit aussi très longtemps dans le désert, mais qui peut aussi amener à la désertification de l'esprit, si on reste dans cette morale du chameau. Ah, et cette morale du chameau, on y est tous... quelque part soumis, hein, parce que, voilà, on dit que pour vivre en société, il faut quand même être un chameau. Le lion va donc représenter la révolte contre les valeurs traditionnelles. Il dit non, non à la morale, non au Dieu, à toutes les idoles issues de la tradition. C'est non à la superstition, hein, plus qu'à non à Dieu, mais non à la... aux croyances toutes faites qui emprisonnent. Et là, c'est la réalisation de l'injonction, la fameuse injonction qui a été reprise, le « tu peux ». Hein? « You can ». Obamia. « Tu peux, hein? ». Et c'est le « tu peux », cette injonction « tu peux » qui va permettre l'expression du « oui, je veux ». Je veux. Voilà. Et ça, c'est l'expression de la volonté personnelle du lion, qui affronte le fardeau des devoirs, hein, c'est la lutte assez classique contre le dragon, hein, avec ses écailles dorées. Donc, après s'être débarrassé de ses chaînes, le lion doit encore devenir enfant pour pouvoir créer. Vous voyez, le côté créateur, c'est l'enfant.
Retrouver l'innocence. Retrouver l'innocence, la pureté, la créativité, la transgression. Donc l'enfant qui dit oui après avoir dépassé le non du lion. Vous voyez, il y a oui, mais oui au devoir. Il y a le non et il y a le oui sacré, le oui à la vie, le oui à la création. Donc ce n'est plus un oui d'obéissance, c'est le oui de la tranquille et joyeuse affirmation de soi qui possède la force du je. C'est l'innocence créatrice que représente l'enfant. Que signifie le mot sacré, le oui sacré, C'est un oui qui donne du sens. Le sacré, c'est ce qui donne du sens. C'est-à-dire, c'est un oui qui est prononcé en le chargeant. C'est-à-dire, on sait à quoi on dit oui, et c'est ce oui qui va donner du sens à la vie. Le oui d'obéissance est un oui conventionnel, codifié, par inertie, par habitude, parce que voilà, c'est ça qu'on nous a dit de faire, on veut plaire, on veut pas de vagues, donc bon, c'est un oui d'obéissance. Là, c'est un oui sacré parce que c'est un oui libre. Hein, le sacré, c'est naturel. Aussi ce qui... Alors, naturel, ça dépend ce qu'on appelle naturel. Alors, c'est amusant parce que la semaine dernière, on parlait de l'embryon. Hein, taoïste, l'embryon d'immortalité, c'est l'embryon... Et l'enfant, enfin, disons, redevenir un enfant, vous voyez, d'une toute autre manière. Bon, Nietzsche n'était pas taoïste, en tout cas. Ça, je crois que c'est une interprétation peut-être qu'on n'a pas encore faite. ça pourrait être peut-être un scoop. Mais d'une autre manière, il le retrouve. Alors, l'enfant, c'est aussi pour Nietzsche le modèle de l'artiste au plan esthétique, c'est-à-dire celui qui transgresse les limites, hein, qui osent, hein, au niveau esthétique, tester des nouvelles choses. Et au plan éthique, c'est le héros qui va créer sa propre morale, qui obéit à ses propres lois et pas à des choses imposées de l'extérieur. Donc, transgression des canons artistiques, des canons esthétiques ou éthiques qui font la morale du chameau. Dans la naissance... Il n'y a pas la notion de déclin. Alors, enfin, je veux dire, je comprends pas bien. Entre le chameau, lion et l'enfant, ce sont des métamorphoses. Mais le déclin, il faut pas prendre le déclin dans le sens. C'est un nouveau départ en définitive. Oui, oui. C'est une, comment dire, c'est une métamorphose. C'est une alchimie. C'est-à-dire, l'esprit va d'abord s'incarner sous la forme du chameau, mais on peut s'arrêter là. C'est un esclave, le chameau. Oui, c'est un esclave. Il s'agenouille, hein, on lui charge et il finit par aimer toutes les charges qu'on lui met sur le dos. Mais c'est l'animal du désert. Et donc, c'est un combat pour devenir lion. Donc, on doit combattre le dragon, devenir lion. Mais ce n'est pas fini. Pour vraiment... Donc, le déclin, c'est quelque chose de... Le chameau doit décliner pour donner naissance au lion. Le lion doit décliner pour donner naissance à l'enfant. Et l'enfant, c'est aussi l'expression de ce surhumain. C'est dans la naissance de la tragédie, donc dans un autre ouvrage où il écrit « Ce n'est pas un orgueil coupable, hein, l'enfant, c'est l'instinct du jeu sans cesse réveillé qui appelle au jour des mondes nouveaux. L'enfant jette parfois son jouet, puis bientôt le reprend par un innocent caprice. Mais dès qu'il bâtit, il relie, il assemble et il modèle les formes selon une loi et selon une stricte ordonnance intérieure. » Une stricte ordonnance intérieure. Donc, ça, c'est l'image des jouets de Dionysos, hein, c'est-à-dire avec des volumes, avec des choses qui structurent l'univers. Donc, une sagesse méconnue de l'enfant joueur. Alors, le fragment d'Héraclite, c'est « Le temps est un enfant qui joue en déplaçant des pions la royauté d'un enfant. »
Bon, vous savez, les fragments d'Héraclite, c'est très fragmentaire, c'est très obscur, c'est très sibyllin. Bon, c'est des morceaux, mais il y a cette idée de l'enfant lié au temps. Donc ça, c'est très important par rapport à la vision de Nietzsche sur le temps. C'est un enfant qui joue et qui est roi. C'est l'enfant roi. Pas dans le sens où on l'entend comme le roi du monde. Donc le sage doit s'inspirer de l'enfant, car c'est l'enfant qui aime la vie sans effort et qui l'aime pour elle-même. C'est beau ça. Voilà. L'enfant associé à la... Donc c'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons être. Chameau, lion ou enfant? Enfant, évidemment. Il faut passer par le chameau. Il faut avoir envie de ne plus être chameau, voilà, et envie de ne plus être lion. C'est quelqu'un qui n'est pas encore conditionné, l'enfant. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné par les éléments extérieurs. Il peut obéir en toute innocence à ses propres ordonnances intérieures, obéir à sa loi intérieure. Vous voyez, cette idée du déclin, enfin, c'est toujours le développement d'un potentiel. Donc l'enfant est capable d'obéir à ce qu'il sent être indispensable pour développer son potentiel, avant qu'on lui dise « tu dois ». Le formatage commence, du chameau commence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque livre, de chaque partie, Zarathoustra donc ressent le besoin de retourner dans la solitude, hein, et ensuite il revient à nouveau. Donc, ce qui indique aussi une progression, une sorte de métamorphose aussi pour Zarathoustra. C'est-à-dire, il partage son, hein, il essaie de remuer les consciences, et puis il retourne dans la solitude, dans la forêt, dans la montagne, où il y passe quelques années encore, et puis il revient, et puis il repart, il revient. Donc c'est pas linéaire. Il y a aussi quelque chose de cyclique chez Zarathoustra pour montrer que c'est vraiment une pensée qui se construit tout le temps, vraiment en mouvement. Alors la deuxième partie, c'est, comme je disais tout à l'heure, le grand thème de la volonté, ce qui traduit par la volonté de puissance, hein, quand même, traduire plutôt par la volonté vers la puissance. Et donc, toujours le début du livre reprend sur le départ, hein, de Zarathoustra, de la fin du livre précédent. Alors Zarathoustra retourna dans les montagnes et dans la solitude de sa caverne pour se dérober aux hommes. Pareil au semeur qui, après avoir répandu sa graine dans les sillons, attend que la semence lève. Hein, donc il y a cette réintégration dans le monde sauvage, de la forêt, dans la caverne, hein, là où les choses vont aussi... maturer, enfin, oui, grandir, hein. Oui, dans l'humus, dans le noir de la caverne. Et donc, c'est aussi le récit des métamorphoses de son personnage principal. Alors, volonté vers la puissance. Comme je disais, c'est la traduction de l'expression allemande Wille zur Macht. C'est l'expression de la liberté, de la volonté qui va permettre de vraiment exprimer sa liberté, s'affranchir des conventions, des scrupules, des censures. La vie veut s'élever à une puissance plus grande. C'est pas une volonté qui s'exerce de l'extérieur, c'est une volonté, une puissance nécessitée intérieure, pour que cette puissance qui est encore à l'état de germe ou de graine puisse s'exprimer, pour créer sans cesse des valeurs plus hautes. Donc, ne jamais se satisfaire de là où on est, de ce qu'on a accompli, de là où on est arrivé, en pensant que... c'est bien, ou c'est le maximum qu'on a pu faire. Non, il y a toujours une puissance encore à développer.
Et pour ça, c'est vrai qu'il y a cette volonté, mais pas une volonté dictée de l'extérieur. Tu dois, non. C'est je veux. Je veux. J'exprime ma volonté de devenir. Et donc, il va dénoncer avec beaucoup de véhémence tous les ennemis de cette volonté vers la puissance. C'est pour ça qu'il y a cette notion de faible, hein, qui a été aussi très mal interprétée ou instrumentalisée. Tous ceux qui se satisfont de leurs conditions. Les ennemis de la vie. Les prêtres, alors bon, évidemment, oui. Là, ils en prennent quand même pour leur grade. Les prêtres qui tuent la nature en l'homme, tous les prédicateurs de l'égalité qui empêchent l'humanité de s'élever par degrés, tous les nihilistes, bref, 99% de l'humanité qui le houspille. Dire voilà, ne vous endormez pas, ne restez pas dans ce culte de la faiblesse, de la fragilité, du ressentiment, du je ne peux pas. Donc c'est puissant et c'est optimiste, optimiste c'est un peu bébête, mais confiant dans la possibilité de l'homme de développer, de dégager cette volonté vers la puissance. Mais voyez, c'est absolument pas une puissance dominatrice qui écrase l'autre. C'est vraiment à prendre au niveau symbolique, au niveau intérieur, au niveau spirituel. Et c'est là où je trouve intéressant de faire le parallèle avec Spinoza. Dans l'éthique, Spinoza écrit « Ne pouvoir exister, c'est impuissance. Et au contraire, pouvoir exister, c'est puissance. » Donc lui, il emploie aussi ce terme de puissance dans cette idée de persévérer dans l'être, c'est-à-dire dans son pouvoir intérieur, véritable pouvoir intérieur. Mais qu'est-ce que ça peut donner dans une société, ça? C'est l'idée que, de toute façon, il n'y a pas de changement de société s'il n'y a pas un changement des individus qui veulent changer par eux-mêmes, pour eux-mêmes. C'est pour ça que c'est de la folie, enfin, c'est vraiment une folie totale que d'avoir été récupéré par les pensées totalitaires qui sont exactement le contraire, où c'est l'homme de masse, où de toute façon, surtout, on suit le tudois. Donc c'est vraiment, on est à 180 degrés, enfin, c'est, faut bien... Mais c'est une pensée aussi qui représente une menace, enfin, une menace, un danger, parce que c'est l'expression de la liberté. Ça ne va pas parce qu'elle aime pas Nietzsche, non, c'est un peu en partie. Alors, troisième partie qui est aussi assez intéressante, enfin vraiment aussi qui demande un peu un décryptage. C'est la notion de l'éternel retour. On a beaucoup dit l'éternel retour. Ce sont ces animaux, parce que Zarathoustra, il est accompagné d'animaux. Bon, ce n'est pas des animaux très, très courants. C'est un aigle, un serpent. Bon. Et ce sont ces animaux qui formule la pensée que tout d'un coup l'accable dans cette troisième partie. « Ô Zarathoustra, dirent alors les animaux, pour ceux qui pensent comme nous, ce sont les choses elles-mêmes qui dansent. Tout vient et se tend la main, et rit et s'enfuit et revient. Tout va, tout revient,
la roue de l'existence tourne éternellement. Donc, tout d'un coup, il y a un enseignement qui est donné par ces animaux de compagnie. Voilà, tout est un éternel retour. Tout va et revient éternellement. Tout meurt, tout refleurit. Le cycle de l'existence se poursuit éternellement. Tout se brise, tout s'assemble à nouveau. Éternellement se bâtit la même maison de l'être. Tout se sépare, tout se salue de nouveau. L'anneau de l'existence se reste éternellement fidèle à lui-même. L'anneau de l'existence, l'anneau, l'année, hein, c'est un éternel retour, recommencement. Et il semble que cet enseignement, tout d'un coup, là ça fait partie des fulgurances, qui décide les yeux de Zarathoustra. Mais il dit oui, bien sûr, tout n'est pas, c'est pas linéaire, les choses ne sont pas linéaires, les choses reviennent, l'éternel retour. Et le premier, la première réaction de Zarathoustra, c'est d'être accablé de cela. Dire, mon Dieu, mais alors, si tout revient éternellement à l'identique, c'est écrasant. Parce que comment la volonté vers la puissance sera supérieure à une sorte de fatalité, hein, de ce retour toujours à l'identité. Et c'est un printemps de plus, et c'est un an de plus, et c'est toujours la même chose. Et enfin, c'est cette idée d'un éternel retour, mais d'un retour à l'identique. Et c'est là où cette notion d'éternel retour va s'agripper aux notions précédentes, c'est-à-dire du surhumain et de la volonté vers la puissance. Le moyen de ne pas vivre cet éternel retour comme quelque chose d'écrasant, mais de le vivre comme quelque chose d'exaltant, c'est de voir que c'est une occasion, une opportunité de faire un tour de plus, c'est-à-dire de ne pas revivre les choses à l'identique, mais de manière différente, renouvelée, comme un enfant le ferait. Et là aussi, Goldschmidt est très éclairant. Il dit, l'éternel retour est lié dans sa formulation même à un terme très particulier et très courant de la langue allemande, le mot dit Hanung. Bon, Hanung, A-H-N-U-N-G. Je fais un peu d'allemand, mais je ne connaissais pas ce terme. Hanung, A-H-N-U-N-G, qui est traduit donc par éternel retour. Vous voyez, il y a aussi les problèmes des traductions. C'est pas rien. Traducteurs, ils ont une responsabilité énorme, énorme. Hanung. Alors, Goldschmidt, qui connaît très très bien l'allemand, dit Hanung, c'est le pressentiment souvenir. Tiens, c'est à la fois le souvenir, donc la mémoire, mais aussi le pressentiment, c'est-à-dire la reconnaissance anticipée de ce qui n'est pas encore. C'est beaucoup plus complexe, tout ça pour dire que, dernier retour, bon, hein, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on dit souvent. Hein, parce qu'Eliade va aussi utiliser le mythe de l'éternel retour, bon, dans la vision traditionnelle. Mais là, chez Nietzsche, c'est très subtil. Pressentiment, souvenir, parce que pressentiment donc, du futur, souvenir du passé, hein, donc c'est une appréhension du temps qui est très particulière. La reconnaissance anticipée de ce qui n'est pas encore, comme si tout, en effet, avait déjà eu lieu. Mais c'est toujours cette idée de germe ou de graine. Il y a le pressentiment qu'on a déjà peut-être vécu cela, mais pas dans l'expression totale. Donc, cet éternel retour
c'est très paradoxal parce qu'il va donner, il va ouvrir la porte au tout possible. Donc c'est à la fois cette idée que les choses reviennent, dont on ne peut pas faire abstraction, parce que si on voit la nature, bon quand même, on ne peut pas dire la nature a un fonctionnement linéaire, hein, c'est cyclique. Donc il y a un retour de certaines choses, mais il faut pouvoir se situer dans ce retour avec ce pressentiment, donc une ouverture au tout possible. Je ne sais pas si je... C'est paradoxal comme... hein. Donc, cette idée que bon, on vit un anniversaire, bon, ce n'est pas simplement un an de plus, hein, quelques cheveux blancs de plus, quelques cheveux de plus, ou encore un gâteau, encore un cadeau de plus. Non, c'est une porte qu'on pressent à un futur qui est à la fois pressenti, mais qui n'est pas totalement exprimé. Et que c'est à chacun, évidemment, dans son surhumain, dans sa volonté vers la puissance, de permettre d'exprimer. L'éternel retour, c'est le encore une fois sans cesse recommencer, le toujours neuf du très ancien. Ah, quand on dit, oui, Nietzsche, c'est la philosophie du marteau, il casse tout, les idoles, les valeurs traditionnelles. Oui, c'est vrai qu'il emploie ce terme, valeurs traditionnelles. Mais surtout, parce que qu'est-ce que c'est que, justement, c'est ce encore une fois, sans cesse recommencer le toujours neuf du très ancien, si ce n'est pas, justement, l'esprit de la tradition, c'est-à-dire le véritable esprit de la tradition. Comme le dit la Bible, hein, c'est du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est dans la Bible. Du vin nouveau dans des vieilles outres. Comment ? On ne doit pas mettre dans des vieilles outres. Du vin nouveau et des outres nouvelles. Non, dans des outres anciennes. C'est l'idée du vin nouveau dans une sorte de contenu. Et donc, évidemment, il va y avoir une dialectique entre le vin et l'outre. C'est-à-dire que l'outre, elle va être renouvelée par le vin. Mais au départ, accepter de mettre du vin nouveau dans une outre ancienne. Vous n'avez pas la même lecture de la Bible, alors? Non. Super. Bon, on va rechercher. Yves, tu rechercheras aussi le texte sur le vin et les outres. Mettre du vin nouveau dans les vieilles. Bien sûr. Eh oui. Bon. Mais pas trop vieille. Pas complètement décadie. Alors, donc, l'éternel retour, donc, vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de, comment dire, de mécanique. Hein, d'automatique, de mécanique, c'est une sorte d'intuition impossible en fait à figurer verbalement. Donc, il dit bon, ok, c'est cet enseignement, soit on peut se laisser écraser par cette idée de retour, soit vraiment le considérer comme quelque chose d'exaltant. Alors, c'est ça qu'il va expliquer. C'est écrasant pour l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça deviendra exaltant pour lui, pour l'homme, s'il s'élève à un état surhumain. C'est pour ça qu'on explique un peu la progression dans le livre, où on pose d'abord qu'est-ce que c'est que le surhumain, qu'est-ce que c'est que la volonté vers la puissance, et puis cette notion de retour. C'est seulement après avoir enseigné le surhumain que Zarathoustra peut parler du retour éternel dans les deux dernières parties. Donc, il ne faut pas se laisser abattre ou effondrer par cette pensée du retour. C'est pas du tout dans le sens d'une fatalité ou d'un nihilisme. C'est dire oui au retour. Donc, on a dit le oui sacré, le oui à la vie, le oui au retour, un oui qui s'exprime dans des champs nouveaux. Se réconcilier avec la vie où on veut revenir. C'est pour ça qu'il y a chaque fois le retour de Zarathoustra.
dit le déclin de Zarathoustra, il s'en va, il revient parmi les hommes. Donc, c'est un éternel retour. Donc, c'est, vous voyez, ça peut se comprendre à plusieurs... parce que Zoroastre, c'est quand même un des grands aussi fondateurs hein, de religion. Et bon, comme si ces grands fondateurs devaient revenir régulièrement, hein, comme dit la Bhagavad Gita, chaque fois que l'injustice monte, bon, je prends des sages d'âge en âge. Voilà. Il faut qu'il y ait le retour de la parole prophétique ou de la parole de sagesse pour refaire partir l'humanité pour un tour. C'est un peu le thème repris par Camus quand il dit « il faut imaginer si il faut ». Oui, oui. Camus était très, très, très imprégné, hein, très influencé par la pensée Hilchen. Oui, oui. Ouais. Enfin là c'est oui Sisyphe bon bah c'est aussi un peu le chameau hein se libérer enfin, il faut imaginer Sisyphe heureux ça peut être interprété de multiples manières. D'accord. De toute façon il faut qu'il y ait un retour pour repartir. Sinon, on ne repart pas. Sinon, on ne repart pas de retour, on ne repart pas. C'est trop très. Certains diraient qu'il faut mourir pour renaître. C'est une autre manière. Oui, c'est, donc, tout ça pour dire que c'est du gros bon sens, hein, c'est ça. Dommage. Donc, le salut que Zarathoustra va trouver dans l'idée du retour éternel, il va tenter, dans la dernière partie, de l'apporter à tous ces hommes qui sont menacés de nihilisme. Donc, ça, c'est la quatrième et dernière partie. Il invite un certain nombre d'hommes à partager son repas, donc c'est... bon, c'est des personnages assez extraordinaires. Mais chacun de ces hommes représente en fait un type d'homme dont l'idéal a été brisé ou anéanti. C'est pour ça qu'ils sont devenus tous nihilistes. Ils ne croient plus à rien. Donc certains, c'était l'idéal de Dieu, bon, pour un certain nombre de prêtres. D'autres, c'était l'idéal de la vérité ou l'art. Oui, il y a le roi, il y a le vieil illusionniste, il y a le pape, le mendiant volontaire, le morose devin. Enfin bon, il y a des figures comme ça, très nietzschéennes. Je demande où il est allé chercher tout ça. Et ils sont supérieurs, en fait, c'est un peu de l'ironie. Ils sont supérieurs en rien, simplement ils sont désabusés, ils sont désillusionnés, mais dans le sens triste du terme, et ils souffrent de leur incapacité à se réaliser. C'est-à-dire, c'est là où il y a cette naissance du ressentiment. On sait qu'on pourrait faire autrement, mais on ne le fait pas. Donc c'est une sorte de mauvaise conscience comme ça qui ronge, hein, qui mine, qui grignote. Et pour eux, pour Nietzsche, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour l'humanité, c'est de tomber dans ce nihilisme, cette noirceur. Alors il va les appeler des hommes faibles, maladifs, estropiés, comédiens de leurs anciennes vertus. Et c'est de cette souffrance, de ce pessimisme que Nietzsche, Zarathoustra, veut en fait protéger les hommes. C'est pour ça que la fin, bon, c'est vraiment une exhortation extraordinaire à la pensée de midi, c'est-à-dire vraiment à la volonté vers la puissance, pour dissiper toutes ces ombres, ce pessimisme, ce nihilisme, cette fatalité, le fait d'être écrasé de ressentiment, de jalousie. Et donc, c'est pas de la pitié qu'il éprouve pour eux, parce que il voudrait pouvoir les sortir, ces hommes de l'état où ils sont. Enfin, il y a vraiment une sorte d'imprécation. Et la fin,
qu'est-ce qui m'a été réservé comme mon dernier péché ? Et encore une fois, c'est le texte, hein, Zarathoustra se replia sur lui-même en s'asseyant de nouveau sur la grosse pierre pour réfléchir. Soudain, il se redressa. « Pitié ! La pitié pour l'homme supérieur !» s'écria-t-il et son visage devint de bronze. « Eh bien, cela a eu son temps. » Ce nihilisme, ce pessimisme, ce fatalisme, c'est fini, ça a eu son temps. « Eh bien, le lion est venu, mes enfants sont proches. » Et donc c'est la dernière transfiguration du livre. En fait, hein. Le lion est venu, mes enfants sont proches. Zarathoustra a mûri, mon heure est venue. Voici mon aube matinale, ma journée commence. Lève-toi donc, lève-toi au grand midi. Ça fait vraiment résonance. Lève-toi, oh Lazare. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sors de ce sentiment d'impuissance, hein, de médiocrité, de faiblesse, mais que tu ne dois qu'à toi-même et qui n'est en rien une fatalité. Lève-toi, lève-toi au grand midi. Ainsi parlait Zarathoustra et il quitta sa caverne, rayonnant et fort comme un soleil du matin venu de montagnes sombres. Ah, oui. Donc là, on voit vraiment Zarathoustra comme un soleil, hein, rayonnant comme un soleil du matin. C'est la dernière transfiguration, on peut dire, c'est Zarathoustra, il se libère, c'est la libération, la délivrance. Ça y est, il a donné son testament, son enseignement aux hommes, et il peut rejoindre le soleil, fini les cavernes, les forêts qui ont été ces endroits matriciels, hein, de gestation, mais là c'est l'apothéose, c'est une sorte vraiment d'apothéose, hein, d'épiphanie, de lumière, hein, c'est ça la pensée de Nietzsche. Et si Zarathoustra l'a fait, voilà, pour Nietzsche, chaque homme peut le faire. Ainsi parlait Zarathoustra. Zoshra, Zarathoustra, qu'on peut traduire ainsi parlait Zarathoustra ou ainsi parla Zarathoustra. L'allemand permet ce choix. Voilà, donc c'est une extraordinaire prédication d'un être très mystérieux, évidemment, hein, venu de la Perse lointaine, pour réveiller les consciences. Alors vous voyez, Le décalage entre le message, hein, et ce qui en a été fait. Et c'est vrai que je crois que, comme disait tout à l'heure, on n'a pas encore été l'auditoire dont rêvait Nietzsche. Le livre, pour tous et pour personne. C'est vrai. C'est un peu emphatique, comme Wagner d'ailleurs. C'est bien germanique, hein, en tout cas. Pardon. Non, mais c'est une prophétie, en fait. Bon, je crois qu'on va arrêter là. C'est exactement le contraire de tout ce que j'ai envie de dire depuis. Je sais bien que les Français n'aiment pas trop les Allemands, mais bon, là, il va falloir se guérir. Ah bon. Il faut le prendre comme un message. Comme disaient les pensées traditionnelles, comme une pensée d'un avatar, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'il faut à un moment donné à l'humanité pour le remettre sur le droit chemin, entre guillemets, justement, parce que c'est pas le droit chemin de la morale, mais pour revivifier, qu'est-ce que c'est qu'un avatar? C'est quelqu'un qui a un message qui ne lui appartient pas, mais qui revivifie un message universel et atemporel. Simplement, il vient à un moment donné, dans un espace-temps, dans un temps donné, dans un lieu donné, parce qu'il y a un besoin, et aussi d'une forme. C'est pour ça que la forme de Zarathoustra n'est pas la forme christique, n'est pas la forme d'un Moïse, ou d'un Mahomet, ou d'un Lao Tzu, mais il y a des points communs. C'est toujours pour réveiller des consciences endormies. Bon, les hindous avaient une très belle image. Ils disaient, bon, il y a une loi cosmique, le dharma. Bon.
Il est représenté par un, je sais plus quel animal, un tigre, non, l'animal, enfin l'animal. Bon, ce dharma, il est d'abord à quatre pattes. C'est-à-dire, l'humanité vit la loi cosmique, vit en harmonie, en intelligence avec cette loi cosmique. Donc, voilà, tout va bien, c'est un peu l'âge d'or, hein, quatre pattes. Et puis, c'est un taureau. Le taureau, il n'a plus que trois pattes. Et puis, il n'a plus que deux pattes. Et puis, il n'a plus qu'une patte. Et quand ce dharma n'a plus qu'une patte, c'est-à-dire n'est plus vécu, et plus vécu et appliqué par les hommes, alors il y a un avatar. C'est comme ça que hein, dans la Bhagavad Gita c'est expliqué. Quand l'injustice prend naissance d'âge en âge, je me réincarne, hein, sous forme même pour pas inventer un nouveau message, pour revivifier un message très ancien mais que les hommes ont oublié. Oublié. Donc, ça va prendre une forme philosophique, une forme religieuse, parce que c'est surtout ceux-là qu'on connaît. Et on connaît tous ceux qui ont réussi aussi, pas tous ceux qui se sont cassés la figure. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours dans ces messages philosophiques ou religieux des choses atemporelles, universelles, et puis des choses qui s'adaptent à une mentalité à un moment donné. Parce qu'il faut aussi pouvoir être compris. Mais en général, les avatars, ils sont pas compris de leur vivant. Hein. C'est souvent après. C'est pour ça que ces messages sont toujours intéressants. Mais il y a un côté, universel. Le oui à la vie, l'amour, l'harmonie. Qui répondent à la nécessité intérieure. Oui, enfin, qui répondent à la configuration intérieure de l'homme, quoi. C'est pour ça que l'homme n'a pas beaucoup changé depuis le paléolithique, néolithique, fondamentalement. Bon, physiquement, il a changé un peu, mais il n'a pas fondamentalement changé. Il a toujours les mêmes besoins, le même soif. Simplement, effectivement, ça passe par des civilisations, des sociétés avec des cycles. Et les crises sont les moments où il y a besoin de redonner du souffle à quelque chose et du sens. Donc c'est l'idée du retour, simplement. C'est jamais écrit d'avance. Ce qui est intéressant dans la vision de Nietzsche, c'est que ça donne une immense responsabilité à chacun, puisque rien n'est écrit d'avance. Il y a un pressentiment d'un futur possible, mais c'est à l'humanité de l'écrire. Et l'humanité peut aussi se perdre, s'éloigner, ou interpréter les messages aussi de l'avatar. Donc, petit apport que je voulais faire, c'était vraiment par rapport à ce style. Hein, et c'est vrai que quand on relit certains passages des évangiles, après on retrouve vraiment. Je ne connais pas l'allemand de Luther, parce que c'est encore différent de l'allemand d'aujourd'hui, mais ça devait être vraiment très, très proche. Parce qu'il y a des choses aussi très, très décapantes dans la Bible. Hein. Sur le cet avènement d'un monde, d'un âge nouveau, d'un homme nouveau, c'est il y a de quoi remuer les tripes. Ça va? Oui. Certains, non, ça va.